Bonjour, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez le mal des transports, une peur bleue des virages ou l'appréhension de l'accident de la route? Évitez de toute urgence ces routes compliquées. Ou devrait-on plutôt parler de chemins de traverse, plus dangereuses et périlleuses les unes que les autres? Voyager équivaut généralement à passer beaucoup de temps sur la route et dans les transports. En voici le top 10 des routes que vous ne devrez jamais emprunter si vous avez peur en voiture. Si tu es nouveau à la chaîne, je t'invite à t'abonner et surtout activer la cloche de notification pour être notifié de toutes nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Vallée de Ferry-Méadol. Au Pakistan, une route au paysage époustouflant est une des plus dangereuses, car elle n'est pas du tout sécurisée. Liée à la prairie des fées, elle n'en est pas moins utilisée pour autant, bien que les accidents de la route y soient courants. Elle est entretenue tant bien que mal par les habitants de la région, mais ressemble plutôt à une piste ou un sentier de montagne qu'à une véritable route. Route du Canyon Skipper. En Nouvelle-Zélande, une route de 22 km de long est taillée directement dans la roche de schiste naturelle. Elle a été construite en 1890, mais n'a depuis jamais été améliorée ou sécurisée. Les compagnies de location locales interdisent l'accès aux loueurs de leurs véhicules. Route de la Lena. Cette longue autoroute est une route fédérale qui relie Yakoutsk à Skovorodino, ville située au sud de la Sibérie. D'une longueur totale de 1235 km, il ne s'agit que d'une piste de terre, la plupart du temps gelée. Sauf en été, où la glace fond et laisse donc place à un véritable bourbier difficilement surmontable. Route Shin-Tibet-Népal. Surnommée la route de l'amitié, cette route serpente entre les plus hauts sommets du monde. Ce qui fait d'ailleurs d'elle l'une des routes les plus hautes et les plus dangereuses du monde. Sur le chemin, entre Lhasa et Katmandou, vous pourrez tout de même y admirer de magnifiques paysages. Mais vous comprendrez vite pourquoi on surnomme le Tibet le toit du monde. Route Alsema. La route Alsema est une route philippine qui relie Baguio à Bontoc. Elle a la particularité d'être la route la plus haute, mais aussi la plus dangereuse des Philippines. Comptez minimum 10 heures pour parcourir cette piste de 250 km. De longues sections de la route sont bordées de profonds ravins, bien sûr sans aucune barrière de sécurité. Elle est souvent bloquée suite à des éboulements ou glissements de boue. La route Dalton Highway. Dalton Highway est une des routes les plus dangereuses du monde. Elle est située en Alaska et elle est souvent choisie comme sujet dans l'émission de télé-réalité américaine Le Convoi de l'Extrême. 666 km de route qui traverse tout le nord de l'Alaska sans le moindre réseau mobile et presque aucune station-service. Certains conducteurs, forcés d'y passer, sont sujets à des températures glaciales, des chemins de gravier verglacé, de fortes tempêtes de neige et même des avalanches. La route en direction de Valle del Pasubio. La route vers Valle del Pasubio en Italie est une route qui ressemble plutôt à un sentier de randonnée. Elle est pourtant utilisée par des véhicules qui ravitaillent les refuges situés au bout. Tout en gravier et encore une fois sans sécurité. Le tunnel de Goliang. Cette route, en Chine, est assez incroyable. Elle fut creusée en 1972 par des villageois, car le seul accès au village de Goliang était un géant escalier. Elle se compose d'une succession de tunnels et de passages ouverts donnant sur le vide. La route vers l'Himalaya. Cette longue route du Népal est extrêmement étroite et pas du tout entretenue à 5000 mètres d'altitude. Sur le toit du monde en montagne, il vous faudra atteindre le camp de base sain et sauf avant de pouvoir escalader l'Everest. Plus vous progressez sur la route, plus elle est dangereuse et les conditions sont difficiles. Route des Yanga. Surnommée assez justement par les locaux El Camino de la Muerte, soit la route de la mort, cette route en dit beaucoup. Elle relie La Paz à la ville de Coroaco. Ce serait la route la plus dangereuse du monde, tristement célèbre pour détenir le record d'accidents mortels chaque année, 250 à 300. Heureusement, il est aujourd'hui possible de l'éviter en prenant une autre route plus récente, qui ne longe pas une falaise de 610 mètres de haut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, surtout n'oublie pas de la liker, la commenter et la partager avec tes amis. On se reprend très prochainement pour une nouvelle vidéo.